Bonjour et bienvenue, c'est Petit Chinois Dante. J'espère que ce petit timelapse vous aura plu. On est là pour débrief du coup de ce petit build. Vous l'aurez tous reconnu pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Longtemps. C'est un build elfique que j'avais fait il y a longtemps. Très longtemps en fait. C'était vous savez, la série Egrond, je crois que ça s'appelait comme ça. Donc je me suis dit que j'allais refaire les petites maisons en mode 2020, tu vois. Juste pour mettre à jour les blocs et surtout pour le travailler en texture pack normal, puisque là on est en texture pack normal. Et du coup voilà. J'ai un peu modifié quand même les façades avant, comme ces deux endroits là, parce que je trouvais que je sais plus du tout ce que j'avais fait auparavant, puisque je m'étais basé sur des screens, faut savoir que j'ai perdu toutes les cartes que j'avais auparavant, de toute façon je les ai plus. Et donc je me suis basé sur des screens pour les refaire. Et je sais plus ce que j'avais mis là, mais c'était quelque chose de plus brouillon. Ce qui est un peu moins le cas, beaucoup plus épuré maintenant. Je pense que j'ai mieux réussi les toits également. Le toit est peut-être plus smooth. Et puis là, je ne vais pas chercher à mettre de fenêtres dans l'interstice ici. Parce que aucune importance. Je pense que vraiment le toit là est pas pareil au niveau de sa formation. Mais je suis plutôt content du résultat final. Niveau intérieur, pour ceux qui se demanderaient, voilà, c'est le classique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérieur. Hein, mais ceux qui veulent s'amuser à faire un intérieur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais donc ouais, j'avais fait ce petit timelapse, j'avais mis sur mon Instagram. C'était fort plaisant, c'était même amusant. Et non, je suis pas mécontent du travail final, enfin du résultat final. Ça, c'est pile poil dans quoi je voulais que ça tape. Petit détail, j'ai fait un petit replace des blocs de stone brick, comme d'habitude, le petit classique, ça donne un petit peu plus de vie. Je pense qu'il y a moyen d'exploiter ce style un peu plus. Pour l'instant, c'est une maison très simple, rectangulaire, mais à voir si je vais pas essayer de faire quelque chose de plus. J'ai ajouté des petits feuillages aussi d'ailleurs, hein, pour donner un petit côté vraiment nature. Nature et découverte, toi-même tu sais. Mais donc voilà. Ici, il y avait. Oh d'ailleurs, ça me fait penser. Parce que j'ai un autre build à vous montrer, mais ça me fait penser à. J'avais un projet, j'avais une idée de série. C'était, faut que vous me dites aussi ce que vous en pensiez, mais ça serait de faire en gros une espèce de clinique du build. Pour l'instant, c'était l'idée. C'est-à-dire que vous, dans les commentaires, vous mettriez petit chinois, comment tu ferais comment tu ferais telle ou telle construction? Parce que faut savoir que ce petit pont là, alors c'est un pont qu'on m'a demandé, on m'a dit t'as pas une idée pour faire un pont elfique? Ça m'a fait penser à cette série. Et je me suis dit donc, ça serait le concept, ça serait que vous me donniez, ah petit chinois, comment tu ferais, je sais pas, un pont elfique en l'occurrence. Et moi, en partant de là, je me dis, ah ouais, tiens, bah, je ferais comme ça. Ah, voilà, c'est l'idée de cette petite série, à voir si on a assez de matière pour la lancer ou faire quelque chose d'intéressant. Parce que je suis revenu, mais je suis à fond sur YouTube. J'ai envie de bien reprendre. J'ai les moyens, comme vous voyez, de faire des vidéos en fin de qualité, ce qui m'avait fortement manqué, ne serait-ce que même au niveau de l'audio, au niveau de la vidéo. Là, je suis content, je peux enfin faire tout ce que je voulais. Il m'aura fallu 3 ans. Voilà. Il m'aura fallu aussi un très très bon PC. Mais donc voilà, je suis content de pouvoir faire des vidéos, du coup j'en profite pour ça. Je fais même des lives tous les mercredis, je suis sur Minecraft. J'en profite tous les mercredis, je suis sur Minecraft. Et je fais aussi des lives le week-end, pas forcément sur Minecraft, je vous avoue, un peu plus varié. Mais en tout cas, tous les mercredis soirs, j'essaie de faire un live sur Minecraft autant que faire se peut. C'est beau, franchement c'est beau. D'ailleurs, en parlant de maison elfique, parce qu'il n'y avait pas que la maison que je vous ai présentée là. Il y a aussi celle-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez celle-là, c'est la toute première maison elfique que j'avais réalisée dans mon plus jeune âge, pendant mon enfance. J'ai récupéré, parce que j'avais encore la carte, j'ai récupéré les maisons originales. Vous voyez que les maisons originales en texture pack de base, elles sont dégueulasses. Puisqu'il y a de l'émeraude, enfin c'était n'importe quoi, c'est fait avec un texture pack, forcément ça c'était n'importe quoi. Mais j'aimais bien l'idée en fait de ces toits, et je voulais le reprendre parce que vous voyez quand même que
c'est assez irrégulier, c'est pas parfait. Et là, en 2020, je suis capable de faire bien mieux. La preuve en est avec, du coup, j'ai refait celle qui en croit, hein, celle-ci. Vous voyez, même que le toit, je peux vous montrer, il est fail, le toit à l'arrière, en fait. Hein. C'est pas symétrique. Alors que là, je l'ai fait symétrique, vous voyez. Là, je l'ai fait vraiment symétrique. Je me suis cassé le cul. Symétrique, hein. Symétrique, symétrique. Et du coup, voilà, j'ai refait cette petite maison elfique. Cette fois-ci, je l'ai bien refaite et je suis content du résultat, surtout que je l'ai refaite en texture pack normal, encore une fois. Donc, forcément, ce build rendra bien, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. Petit zeppelin en haut si vous voulez. J'ai les rushs pour le timelapse si ça vous tente. Puisque je m'étais vraiment beaucoup amusé cet été sur Instagram avec Minecraft, un peu trop même. Mais donc voilà. Donc cette maison là, je suis content du résultat puisque j'ai fait quelque chose de parfait, enfin de plus dans l'air du temps, de plus le toit est plus comme je le voudrais, c'est-à-dire bien régulier, bien symétrique. Donc franchement, je suis content du résultat. D'ailleurs, je crois que ce but, je l'avais partagé sur le Discord, parce que oui, d'ailleurs, il y a un Discord. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui voudraient le rejoindre, un serveur Discord, hein, où on échange de Minecraft et de tout et de rien, mais beaucoup de Minecraft quand même. Et j'ai envie que ça soit un peu une communauté pour s'entraider sur le build ou toute autre chose, enfin vraiment une communauté dans l'entraide principale. Mais donc voilà. Et tant que j'y suis, je vais vous montrer ce qu'on fait en live pour vous donner un peu envie de nous rejoindre. Parce que franchement, il n'y a pas ce côté en vidéo. J'aime bien les vidéos, hein. J'ai toujours aimé faire des vidéos, mais il n'y a pas ce côté... Il n'y a pas ce côté social, vous voyez. Je discute tout seul. Quelque part, c'est un peu triste. Alors qu'on pourrait échanger les uns avec les autres. Dire, petit chinois, il y a un truc là-bas au fond. Tu veux pas aller voir? Attends. Je vais aller voir. T'inquiète pas, Jean-Roger. Je vais aller voir. Mais donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui peuvent être faites. Et qui, d'ailleurs, contenu de live exclusif. Au live, c'est-à-dire que je vais peut-être vous faire des mises à jour comme ça. Et regardez, on a fait ça en live. D'ailleurs, on a fait un test de maison steampunk désertique en live. Voilà le résultat. Et on est en train de faire, je pense qu'on l'a peut-être terminé à l'heure où je vous parle, ce gros bâtiment en fait, un bâtiment parisien qui est rue Réaumur, place de la Bourse. Et que je trouve magnifique. C'est un style industriel mélangé avec... c'est l'industriel en fait parisien du 19e, début 20e siècle. Et je suis trop fan. Je trouve que ça rend... Enfin, que le bâtiment est magnifique. Donc j'ai voulu le refaire dans Minecraft pour essayer d'importer comme ça un nouveau style. Et m'approprier un peu le genre et le maîtriser. Je vous avoue que je suis très loin de le maîtriser, mais je suis pas mécontent du résultat pour l'instant qu'on a actuellement. Donc voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon de ce que je voulais vous parler, ce dont je voulais vous parler. Mais n'hésitez pas en tout cas à rejoindre le live et le Discord, ça ferait très plaisir. Beaucoup de vidéos sont en préparation, hein, les Let's Timelapse et tout ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, que vous serez régalé autant que je me suis régalé à faire ce petit montage, parce que faut savoir ce qui m'éclate le plus et ce qui me prend malheureusement le plus de temps, c'est le montage des petits timelapses, le record des timelapses et le montage des timelapses avec les petites cinématiques que je fais à chaque fois dans les Let's Timelapse. C'est le plus long, avec le taf à côté c'est un peu compliqué, mais j'y arrive. C'est pour ça que je vais alterner une semaine sur deux Let's Timelapse, parce que sinon je vais pas tenir le rythme, vous voyez, je vais finir par burn-out. Donc voilà. En tout cas, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Salut. Ça c'était le classique. Je sais pas si tu te rappelles de quand je levais le truc vers les cieux comme ça. J'avais complètement oublié, là c'est revenu comme un réflexe. C'est génial. C'est épique.